prêter mon manège à moi. Paroles de Jean Constantin, musique de Norbert Kranzberg. Tu fais tourner la tête. C'est jamais bon. De toute façon, c'est comme si on prenait
un objet qui est au départ un peu disqualifié. Donc s'il est disqualifié, il est un peu disqualifiant pour la personne qui s'en empare, évidemment. Et c'est sans doute plus large. Les sociologues, là, c'est vrai. Oui, en ce moment-là, la sociologie, je pense que c'est un petit peu... C'est où nous abordons des problèmes. Nos amis de la Saint-Pierre, le gars qu'on voit ici devant moi, la Saint-Pierre qui est à deux pas d'ici, on en connaît quelque chose, puisque nous qui défendons l'art populaire sous toutes ses formes et l'art brut, on nous a pendant très longtemps qualifié de le pénis. Ah, oui, nous aussi. Ah, vous aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait la peste brune, parce que. Alors, c'était le cas, c'était souvent des intellectuels de gauche. C'est amusant, parce qu'on pourrait croire naïvement, descendant de sa planète, que la gauche s'intéresse au peuple, et à ma grande surprise, j'ai constaté. Au contraire, il y avait des espèces de haine du peuple. Alors ça, vous l'avez trouvé, vous parlez de la hantise du populisme. C'est une hantise politique, oui. Tout le monde cherche le populisme. On est toujours le populiste de quelqu'un. De toute façon, si on ne veut pas se traverser, on est toujours le populiste de quelqu'un. Alors ce qui m'a étonné aussi, outre les références à Bachelard qui me faisaient plaisir, c'est que vous dites du bien du film d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard, La Môme. Et on se dit un sociologue, un intellectuel, au contraire, méprisé de très loin, ces œuvres de vulgarisation populaire. Je dis décidément, cette femme, elle ne ressemble pas au formatage de l'idée qu'on se fait d'universitaire. Alors, expliquez-nous ce que vous trouvez bien dans ce film, qui est la grande vulgarisation, ou mélodramatique, quand même. Oui, mais d'abord, j'ai eu moi aussi un petit recul. Alors, c'était pendant que j'écrivais. Alors, je ne pouvais pas rater, parce que c'était un film qui était bien en scène. Je ne pouvais pas faire un crachat préalable. Et j'y suis allée avec un peu un recul, parce qu'il y a eu un marketing quand même énorme, quoi, la bande-annonce, tout ça. Je me suis dit, oh là là, ça va me casser mon objet, ça c'est pas bon, ça. C'est mon objet. C'est pas bon, ça. Et puis, ben, finalement, tout simplement, parce que je crois que ben, je suis comme tout le monde, hein, on est dans l'émotion commune. C'est-à-dire que moi, j'ai pleuré mon film. Donc si j'ai pleuré, ben, c'est pas la peine que je fasse, que je me dise, attention, que je fasse l'esprit fin. Ça veut dire que j'ai été émue, et ça veut dire que des heures après, je me suis dit, ben, à quel moment j'ai adhéré, à quel moment je, ben, après, je me suis fait une analyse de ça, et ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ce film-là. Et c'est par lui que je commence d'ailleurs l'ouvrage, puisque c'est l'actualité en quelque sorte. C'était au moment où j'écrivais, quelque chose du fantôme de Piaf revenait sur scène. Parce que c'est quand même un mythe, donc les mythes ont des réapparitions fantomales. Mais vous aimiez particulièrement, en tant que personne et non pas sociologue, quoi que, on ne va pas séparer les deux, vous aimiez particulièrement Piaf, vous ? J'aimais Piaf, c'est peut-être pas dans mon panthéon, je dirais, des chansons que j'écoute. J'ai quelques grands noms, pas très connus. Je vais citer. Jacques Bertin, une portion du sont de très très grands auteurs, de très très grands musiciens, très grands poètes, peu de gens connaissent. Lafaille, j'ai plein de gens comme ça. Donc ça serait plutôt, ça correspond plus au code plus intellectuel, etc. Mais j'aime Piaf parce que voilà, ça me remporte. Quand j'écoute Jezabel et les Fessons, je ne mets pas de recul par rapport à mon émotion. Bon, vous êtes donc une sociologue coupable ou capable d'émotion, c'est rare. Je le dis. Bon, là encore, nous sommes surpris, vous êtes vous-même atypique et singulière. Si on parle de la chanson réaliste, hein, vous avez compris, quelles frontières on donne exactement à ça? Parce qu'à un moment donné, vous comparez Piaf, finalement, vous dites que c'est un emblème national, vous la comparez à Oum Kalsoum, la fameuse, la légendaire égyptienne, à Amalia Rodriguez au Portugal, des femmes de cette ampleur. Je vous dis que c'est vraiment un symbole national. Est-ce qu'on pourrait dire Johnny Hallyday est un symbole national? Je ne sais pas. Il est en train de le venir. Oui, alors, qu'est-ce que vous entendez parler? Et quelles frontières on donne à la chanson réaliste? Effectivement, ça suppose. Alors là, je vais encore faire un cours. Hein. Vous en empêcherez. Oui, vous m'empêcherez, de toute façon. Mais on peut la définir comme un genre. C'est pas comme ça que j'ai jamais dit que. Je ne vais pas donner trop de définitions, mais il me semble que toutes les chansons populaires ont quelque chose à voir avec une toute façon de parler de la réalité. Elles sont aussi réalistes. À mon avis, qu'elles sont coûtées, c'est aussi de la chanson réaliste. Et par contre, on passe avec autre chose à un moment donné avec les fameuses Frère, Bert Silva, Damien, on passe à autre chose, à une mise en scène avec plus, des choses peut-être un peu plus figées dans les rôles. Et puis Piaf, c'est à la fois l'accumé de cette affaire-là, puis on passe à autre chose que j'appellerais le réalisme des passions.
qui n'est pas simplement la fille de joie, etc. Parce qu'on a voulu un peu figer, quoi. Donc il y a plusieurs choses. Soit on va dire, on étudie le réalisme dans la chanson, et là c'est toute l'histoire de la chanson populaire qu'il faut regarder. Quelle réalité, quel réalisme, quel quotidien se retrouve dans cette chanson-là. La période des années 20-30, là, il y a peut-être la tentative de fixer un rôle qui est plus dans la suite de Brouillant, qui fige un peu les choses, et qui est la bourgeoisie regardant le peuple. La bourgeoisie regardant le peuple, forcément, voit ses marges, les prostituées, etc. Et c'est un regard comme ça, et qui introduit aussi un argot, et un argot qui va chercher au commissariat de police, enfin, qui est pas, vous voyez, qui un faux argot, comme Zoritus, par exemple. Et voilà. Merde, là, les gars, c'est dur, voilà, les personnes qui tiennent la queue de la poêle dans les lits, on se carapaté, le soliloque du pauvre. Voilà. Vous connaissez ça, fausse. Oui. Donc, il y a ce moment-là, puis bon, ben, il y a Pierre qui commence avec cette chanson-là, puis qui après fait autre chose, il devient plus universel, si on veut. Vous citez Marianne Oswald, Yvonne Georges, Marie Dubas. Marie Dubas qui est, elle, le modèle de Pierre. Je montre les pas, elle exerce ses gestes, certains gestes. Alors que Marie Dubas est quelqu'un qui forme le lyrique, et qui va... C'est elle qui crée mon légionnaire, Marie Dubas. Et elle est fantaisiste. C'est une fantaisiste. Et moi, j'ai été très surprise quand j'ai écouté Marie Dubas, parce qu'elle a une voix de tête, quoi. Elle a toute sa formation. Et elle est la chanson rigolote et tout. Donc, et pourtant, Piaf la prend comme un de ses modèles. Donc, je parle Marie Dubas comme modèle de Piaf. Enfin, alors, pour rester sur Piaf et pas encore le point de vue particulier de votre livre, j'ai fait une petite recherche pour ne pas être obligé sur le sujet et je me suis dit, quelles sont les chansons qu'elle a vraiment créées elle-même? Parce que souvent, c'est elle a eu un parolier, elle a eu une parolière, elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, je ne regrette rien, c'est le Charles Dumont et Michel Vauquer. Oui, voilà. Hein. Oui. Elle a eu. Comment elle s'appelle comment s'appelle cette femme qui a écrit pour elle? Mono. Oui, voilà. Mono. Voilà. Mais est-ce qu'elle a elle-même écrit des chansons? Oui, elle a écrit. Alors lesquelles? Elle a écrit, je crois qu'elle l'a mis en rose. Elle a... Oui, voilà, parce que j'ai cru comprendre que c'était. Oui, c'est vraiment. Et là, elle est auto-compositeur. Pendant très très longtemps, on trouve que bon, voilà, fini en gros, c'est vraiment c'est très plat comme parole. Et il y a beaucoup de. Pendant longtemps, on refuse de mettre ça en musique. Et elle a écrit plus que ça, je n'ai pas fait la liste de toutes ses chansons, mais elle est auteur-compositeur. Elle est probablement une des premières femmes à écrire. Auteur-compositeur. C'est d'autant plus étonnant qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde a ses chansons dans la tête. On les connaît par cœur, ça fait partie du monde de l'enfant. Alors, le point de vue de votre livre, parce que j'ai trouvé une définition que vous donnez vous-même de votre critique, le point de vue, donc cette fois, on en plus dans le regard sociologique, la thèse du livre, vous dites j'ai voulu tenter d'approcher l'épiphanie d'une voix populaire féminine et tragique, ça c'est vrai, telle est la visée de cette esquisse anthropologique raisonnée, rêveuse, audiophile et iconophile. Alors là, bon, j'ose pas, là, j'ose pas. Hein, voilà. Alors, dans quelle est l'optique exacte de ce que vous avez cherché à faire dans ce livre, cette fois, au niveau de l'analyse? J'ai effectivement essayé d'approcher une voix, qui n'est pas une chose simple, et comment décrire une voix, je veux quand même dire, mon optique, ça a été la optique ou mon optique. J'ai essayé de la saisir, cette voix, à travers ses gestes aussi. Hein, gestes de Piaf, c'est quand même quelque chose dans cette mise en scène, dans cette mise en spectacle, c'est que tu vois forcément une mise en spectacle. Et j'ai essayé de la. C'est pour ça qu'il y a des dessins, c'est pour ça que j'ai fait appel à Mireille, mes petits choubras, etc. C'était aussi à partir des saisies, des captures d'écran, de petits films où on la voit pas beaucoup et tout, et bien de refaire. Sur cette. Parce qu'on, quand même, la voix s'appréhende à travers tous les sens. C'est une forme de contact, ça s'appréhende à travers l'œil aussi. Hein. Donc on a l'oreille, l'œil et tout le corps peut-être qui participe. Et ce geste vocal, je vais le mettre dans l'ensemble, dans son corps, et donc le traduire aussi par les chaînes gestuelles. J'ai agi. J'ai donc pris plusieurs chansons très très connues. Et j'ai essayé d'analyser de façon assez précise en tant que séquence, j'espère. C'est une des façons d'appréhender la voix, il y en a d'autres.
Donc cette épiphanie, celle qui apparaît, apparaît d'abord de manière simple, par le visuel. Et c'est une gageure parce que le faire par l'écrit, oui, par c'est le plus fait, difficile que par exemple par le cinéma, voilà. Où il y a une analyse de séquence, etc. du geste. Donc c'est une gageure. Vous voulez mettre à plat sur du langage, oui, voilà. Sur une feuille de papier, oui. Mais j'étais sur des séquences visuelles, c'est pas évident. J'étais sur une ligne de presse, voilà. J'ai failli tomber à chaque fois, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert en faisant cette longue analyse? On serait bien incapable de faire. J'ai découvert que j'en finissais pas avec la chanson, que j'en finissais pas, qu'il fallait que je m'arrête d'ailleurs, et que s'il fallait. Parce qu'après, évidemment, je débouchais aussi, il y avait un avant Piaf qui était Damien, qui était toutes ces grandes-là, puis il y avait un après Piaf, toutes ces femmes en noir. Barbara, qu'on voit ici sur la table. Ribeiro, Greco et tout, et qu'il faudrait continuer. De la même façon, avec le temps, l'approfondissement et d'empathie avec elle. J'ai fait qu'en donner un tout petit. Il y a une filiation avec Barbara Oui, explicite. Parce qu'il y a 15 ans de différence oui. De génération, de demi-génération. Elle chante, parfois elle reprend une chanson d'elle. Puis après, bon, elle a sa propre. C'est au moment du début de sa carrière. Elle va reprendre quelque chose. Et chacune, ou une accroche, bien. D'accord. Jackie, qu'est-ce que vous avez fait la préface de ce genre? Je dois dire qu'il est ardu. Ben, Jackie est ardu. Moi, je vais pas. Oui, moi, j'ai tenté de condenser pour le lecteur paresseux. C'est mon cas. Quelque chose d'extrêmement ardu, précisément, pour le punir de ne pas lire le livre. Et ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement condenser une expérience biographique de chercheuse totalement singulière qui ose, dans ce monde des sociologues qui est le monde des clans et le monde du mimétisme, je dirais presque le monde de la mondialisation, tellement il court derrière, que j'ai voulu montrer que le profil de cette vie et le fil de cette œuvre en recouvrait beaucoup d'autres. Tout ce parcours partant des mondes ouvriers, par les mondes populaires, pour arriver au plus condensé, ce que j'appelle le deuil d'Orphée, lorsqu'apparaît l'alphabet universel, les hommes commencent à se dire qu'ils peuvent ne plus connaître par cœur. Et les hommes peuvent commencer à se dire que la connaissance qu'ils ont transmise par des passeurs oraux passe par une voix, c'est-à-dire quelque chose d'ineffable, ce que disait Lévis, ce que disait Homère. Et pour moi, ce livre qui retrouve par-dessus de millénaires et demi d'alphabétisation, le caractère essentiel de la voix est une très grande œuvre. Et à propos de cette très grande œuvre, qui est quand même le produit d'un tiers de la vie de Joël, et de plus si l'on prend le monde populaire, j'ai voulu retracer une courbe intellectuelle, et en même temps, tout à l'heure, Jean-Luc nous faisait l'éloge, en gros, comme dirait Damorin, de l'autoproduction coopérative, des travailleurs associés, dirait Marx. Bon, rappeler que dans l'université, sans doute, mais de plus en plus sans aide, et de plus en plus à côté, en nous auto-organisant, nous pouvons recommencer à penser par nous-mêmes et à produire quelque chose de libre et de totalement unique. Vous êtes un rebelle. Je le crois. Vous me faites penser à une magnifique petite conférence qui a été éditée, que j'ai trouvée à la magnifique librairie de la Halle Saint-Pierre, regarde, qui est un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, l'éditeur de Harvard, s'appelle Lindsay Waters. Il a fait une conférence qui a fait scandale, puisque c'est l'éditeur des sciences humaines, donc il vous aurait édité à Harvard, et il explique qu'avec la fuite en avant de l'université, on compte le nombre de publications des gens qu'on ne dit jamais. Il dit textuellement, c'est sur la couverture 4 du livre, que maintenant il n'y a plus de pensée libre dans l'université et qu'on ne peut trouver les vrais penseurs qu'en dehors du cadre universitaire. Moi, ça m'a un tout petit peu rassuré pour la raison que j'avais commencé dans l'université et que je l'ai quitté très vite. Et donc, le lire de la part de l'éditeur de Harvard, c'est assez stupéfiant. Et donc, vous partagez cette opinion qu'il n'y a pas de pensée libre dans l'université française. Vous voyez qu'on dérive, on n'est plus dans le cadre. Radicalement dit, c'est un peu radical. La preuve, c'est qu'on est là, enfin. Oui. Oui, mais pas dans un cadre universitaire. Pas dans un cadre universitaire. Il faut être prudent. Oui. Comment vos pères sociologues prennent ce type de travail? Vous avez dit au début une histoire de mépris pour l'objet.
J'en suis quand même étonné parce que... J'ai un mépris, là, je ne suis pas encore mes pères. Oui, les pères sont différenciés quand même. Les pères, il y a plein de pères. On a ici un pères. Grand collègue qui s'appelle Gilles Ferréol, qui montre le poste. Voilà. Par sa présence. Donc, ne globalisons pas le discours. Pas généralité. J'ai peur que j'avoue que ça fait beaucoup de... Donc on ne peut pas généraliser, il y a une pluralité, quoi. Il y a des clans, il y a de la pluralité dans les sociaux, donc on peut encore respirer, et des gens vous aident à respirer. Oui. Parce qu'on ne respire jamais tout seul quand même. Non, mais vous avez organisé à Nantes un cercle de sociologie. Oh oui, de respiration. De respiration, qui fonctionne comment? Eh bien justement, on respire comme ça. C'est des colloques, c'est quoi? On fait une association, et puis on fait un colloque par an. Sur un thème en général un peu, pas forcément consensuel, quoi, moins compliqué. Et puis voilà, ça butine, il y a des petites constellations qui se mettent autour et évoluent. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ça s'appelle le l'estampe. L'estampe. Donc la connotation avec l'image a toujours été pour nous le titre de Joël. Là-dedans, il y a les milieux populaires pour ne pas la façon de dire la totalité du site. À décrypter. Pas facile, et puis au fur et à mesure, le rapport à une image, à une photographie, avec donc le respect du fait que je travaille d'après, regarde quelqu'un d'autre, au fur et à mesure, des choses se sont passées, au fur et à mesure des dessins, et puis je me suis libérée de plus en plus de l'image, en restant malgré tout dans l'image. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, s'il y a des questions, je veux bien répondre, mais c'est un immense bonheur, voilà, un immense bonheur, parce que la chanson, ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour ma famille. Mes enfants sont musiciens ou chantent. C'est très important. Je suis très heureuse d'être là et d'avoir fait ça. Joël, je peux vous poser une autre question. Si, je peux vous poser une dernière question. Après ce travail, puisque vous dites que c'est l'étude par la photo des intérieurs ouvriers qui vous a amené à faire des enregistrements, vous intéresser à la voix. La quintessence de la voix, c'est la chanson populaire, si je résume bien. Et Edith Piaf et le paradis de ça, etc. Et la voix de femme. Voilà, et la voix de femme. Mais alors, ça vous mène où maintenant? Je veux travailler sur le mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée. Expliquez-nous bien. Parce que Orphée. C'est ce qu'elle dit, c'est le moment où. Tout se transmet par la voix, tout se transmet par la musique. Et c'est un mythe alors qui a trouvé plein d'expressions plastiques, plein d'expressions musicales, par les mots-là, d'ailleurs cinématographiques, etc. Donc je veux repartir du mythe grec, Orphée, et voir ses retranscriptions, mon contemporain, etc. Mais là, vous n'entrez pas dans l'anthropologie, plus strictement la sociologie. Là, on fait déjà, j'ai mis esquisse. Oui, j'ai vu que vous mettez anthropologie. J'ai mis esquisse. Alors, je continue à mettre esquisse, voilà, oui, c'est carrément anthropologique. Vous avez compris que Joël est très snob. Oui, je suis très snob. Mais au fond, vous êtes vraiment dans l'anthropologie, c'est le mythe qui vous intéresse. Oui, c'est l'analyse du mythe, je comprends. Vous êtes plus anthropologue que sociologue de ce point de vue-là. Oui. Explique que vous avez mis Bachelard et sa politique. Coupage de cheveux en quatre, des bourdieusiens stricts. Je dis son bon divin. Mais je vois avec plaisir que Jackie a ses lettres et qu'il cite Karl Marx tout de même. Regarde, la cite. J'ai un âge, je me suis passé par les modes hégémoniques de l'université. Et bon, au moment où la société éclatait dans la révolution californienne qui va donner la mondialisation, il y avait des gens qui relançaient le mythe de la classe ouvrière au moment où précisément les ouvriers s'intégraient dans la société, dans un vaste monde populaire commun. Bon, et on est de ce moment-là où, à un certain moment, où si on n'était pas dans Marx pour dire quelque chose en sociologie, on était le roi de demeurer, quoi. Donc, il y a immensément à prendre dans cet auteur. Énorme. Bon, puis en même temps, on parle de postérité. Historicité. Et en ce moment, un ouvrage. Mais les travailleurs associés, c'est joli, dans l'esprit de. Ah oui. C'est le Marx proudhonien, ce qui est un oxymore impossible. Oui, mais. Je suis aussi de cette génération, en ce moment, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des maoïstes, parce que je les ai malgré moi fréquentés à l'époque de ma vie, ou plutôt côtoyés, et je me suis aperçu que les terroristes européens, c'est-à-dire Badère et les Brigades Rouges, c'était une métastase grave du marxisme. Et on oublie que notre génération est quand même très proche. Et les bourreaux cambodgiens.
Oui, bien sûr, mais là je parle vraiment en Europe, alors que les maristes français, c'est différent, ils ont refusé la lutte armée. Enfin, c'est ça en tête, mais nous, en effet, voilà. Bon, on est. Bon, merci. Bon, est-ce que c'est un mot d'affin? Non, pas un mot d'affin. La musique? Non, mais merci de cette lecture aiguë. La musique. Et puis...